Salut tout le monde, aujourd'hui cette vidéo pour vous expliquer comment placer un film statique sur une fenêtre. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on ne le colle pas, on l'applique avec de l'eau tout simplement. Ce film, je l'ai acheté en grande surface de bricolage au prix de 17 euros pour 1 mètre. Donc c'est pour une surface d'1 mètre sur 90 cm. Alors après l'avoir découpé de manière très précise avec une règle, donc de manière très soignée avec un très bon cutter, je l'ai coupé. Aux bonnes dimensions. Alors ce qu'il vous faut comme support, c'est une fenêtre qui est propre, bien dégraissée. Et alors c'est très simple, vous allez appliquer de l'eau sur cette fenêtre, ici avec un vaporisateur, ou alors vous pouvez le faire très simplement avec une éponge. Voilà, vous allez appliquer partout sur la fenêtre. Ensuite, le travail va consister simplement à tirer la feuille de plastique de protection. Voilà, et ça, il faut pouvoir y arriver, ça prend parfois du temps, il faut de la patience. Et voilà, il suffit maintenant de bien placer. Alors la première fois, c'est jamais évident de le placer du premier coup. Il faut évidemment le mettre à la bonne hauteur et bien à gauche ou à droite. Voilà, vous voyez qu'il se place ensuite plus ou moins tout seul, on fait son travail. Alors ce qui serait nickel, ce serait simplement de prendre une raclette pour nettoyage de vitre, par exemple, tout simplement. Mais si je vois qu'il n'est pas bien mis, je vais le replacer. Voilà. On attend un petit peu qu'il se place. Et puis ça y est, avec la raclette, tout simplement, vous évacuez l'excédent d'eau. Si vous voyez qu'à certains points, il n'a pas l'air d'être trop bien fixé, vous décollez simplement le coin, vous mettez un petit peu d'eau, et voilà, vous raclez à nouveau. Et voilà, c'est aussi simple que ça.